Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure horrifique sur Resident Evil 2. Bienvenue dans cet épisode 14, comme d'habitude prévoyez casque ou écouteur. Mettez-vous dans le noir, c'est toujours plus cool, une petite boisson, un petit truc à graille, on est parti pour une bonne demi-heure au minimum ensemble. Et on n'est pas prêt de finir le jeu parce qu'il nous reste un autre scénario à faire, celui de Claire, où pas mal de choses diffèrent évidemment, comme par exemple Ada qui n'existe pas dans le scénario de Claire, mais un autre personnage existe et de nouveaux lieux aussi. Mais ça, on verra quand on aura déjà fini la partie de Leon. On est parti, je vous le dis, il va y avoir un boss parce que bah, sur PS1 il y avait un boss à ce niveau là tout simplement. C'est parti, régale-moi. Bon, c'était facile. Ok. Il est temps d'aller retrouver Ada. Retournez voir Ada, évidemment. Alors, retrait non autorisé d'un virus de niveau 4. 6 balles. Ok, on va sortir le magnum. La séquence d'autodestruction sera lancée une fois le confinement. Ok. Donc on a le virus G, hein. Il faut aller voir Ada. Attention. C'est parti, on va voir un petit peu ce qui se passe par là. Je... Oh. Je sentais qu'il allait se passer quelque chose, tu vois. Ok. Encore toi. Monsieur, vous avez changé de couille. Il est à moi. Il faut Je veux savoir ce qui se passe. Pardon, William. Tu m'as pas laissé le choix. Vous l'avez appelé William. Pourquoi? Ça aurait pas dû finir comme ça. C'est de la faute d'Umbrella, tout ça. Vous en faites partie. Vous êtes impliqué là-dedans, non? Oui. Mais jamais on a voulu que ça se produise. Dites-moi tout. Racontez-moi depuis le début. Je ne me sentirai pas comme ça. Mon Dieu, William, qu'est-ce que t'as fait? Vous avez créé ce monstre. On a créé le virus G, mais à aucun moment on n'a voulu... Ne cherchez pas d'excuses. Vous êtes responsable. Ah oui! Ok, je rigole. Wesh, y'a pas d'issue. Attends. Non. Hop, et grenade, hein. Ça c'est moi. C'est Bibi. T'emmèneras ça. Hop, ça dégage. Ok. Il avait un truc dans le dos. Non. Ok. On reload. Je rigole, frère. Ils ont pas les couilles. Je rigole. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Je suis désolé. Oh la vache. Faut donner ça, hein. C'est nul, hein. Je rigole. Hop, salut. Ok. Non. Très beau saut qu'on a là. Hop, hey. Hop, tu dis rien, c'est pour toi, c'est cadeau. Très très beau saut.
Ok. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait, hein? Tu lâches ça tout de suite? C'est pas très gentil, monsieur. J'ai peur. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Faut brûler le mec? Oh là là. Oh, c'est beau ça. Putain, il est rapide, hein. Non. Très très chaud, très très chaud, merde. Allez, allez, il va mettre une claque. Ah. C'est du one shot. C'est littéralement du one shot. Très bien. Excusez-moi. Je savais pas, fallait prévenir. D'accord, c'est pour ça toutes ces grenades et tout. Oh là 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 là. En gros, quand il te saute dessus, bah, faut pas qu'il te saute dessus, tout simplement, parce que il t'arrache, il te découpe. Tu manges tes morts. Oh la vache! Infraction de classe A. Ok. Hop. Dans les chicots, mon pote. Ok. Ça, c'est bon, ça. Ça, ça découpe, mon pote, hein. Ça chicote, mon gars, hein. On va essayer de tout récupérer. Non, j'étais à côté. C'est injuste. Je suis désolé. C'est de l'injustice. Ok, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave. Mais bon, c'est pas grave. Même quand c'est pas grave, finalement. C'est pas mal. Ça me plaît, ça. C'est pas mal. Ça me plaît, ça. Ouh, beau, ça. Très beau coup. J'ai apprécié, mon pote. Ok. L'achat. Ok, ça c'est pas mal. Ça vous plaît? Moi ça me plaît, mon pote. Ok, on continue. Il a rien vu, hein. Vous avez vu quelque chose, vous? Hop. On prend. Vas-y, régale. Ouais, c'est pas mal, ça me plaît, ça. Tu commences à me séduire, là. Ah! Oh putain. Monsieur. Ça chicote. Ok. On va se calmer un peu sur les balles. Ok. Ok. Oh la vache. Damn Daniel. Il est trop chaud, il est trop chaud. J'ai pas les bases. Ok. Non. Ok. Oh. Ok. Vous avez des balles de magnum, s'il vous plaît? Non, 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 non. Mais gros, t'es immortel! Je m'en bats les couilles. J'y vais dans le feu, mon pote. Allez, s'il te plaît, je suis Keblo. Non, c'est bon. Oh la vache. C'est tellement chaud, les gars. Oh, il était temps. Ah ah ah! Ok. Et là, on a quoi là? Ok. Trop chaud, mec! Mais brûle! Brûle, sale verline! C'est incroyable! Mais c'est pas vrai! C'est le boss final ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il est encore plus gros que d'habitude! What? Lâchez ça, monsieur. Wesh. Oh la vache. Ok.
Allez, hein. Voilà! J'ai plus rien! Super! J'ai plus de putain de balles! Je suis dans la merde, les gars. J'ai plus une fucking balle. Je vais tout fouiller. Je suis en train de ramper, les gars. Achevez-moi. Achevez-moi, je suis un monstre, ça sert plus à rien. J'ai plus de balles. J'ai 5 cartouches de pompe, une balle de pistolet, 400 de lance-flammes. Il n'y a plus qu'à prier pour que ce soit la fin du game. Ah non, dans le coffre, j'en ai encore. Oh putain, et toutes les balles de pistolet étaient là, sa mère aussi. Là. Putain, les gars. Ok. C'est pas fini, hein. Je fous tout, j'en ai rien à foutre. L'ascenseur, il attendra. Non, c'était compliqué, hein. C'était compliqué de ouf. Heureusement, j'ai encore quelques soins qui traînent. Oh, je pense qu'on est à la fin du jeu, là. Bon, il en reste un qui réglait son compte, vous le savez, vous le connaissez tous. Mister X le forceur. Enfin, il me semble, je crois. Je crois qu'on règle son compte. Ah, je fous tout, hein. Je suis désolé, les gars. Là, vous avez vu dans quel caca je suis. Pour ne pas être vulgaire. Oh la vache, les dégâts qu'il a foutus, putain. Ben ouais, mais il s'en bat les couilles, regarde, il a tout arraché. Bon, on prend l'ascenseur, je pense qu'il ne reste plus rien. C'est compliqué, il me reste quand même... Allez, bon, il me reste pas mal de lance-flammes. Il me reste un bon pistolet. On va voir ce que ça va donner. J'aimerais bien une petite save. Merde. Ça a l'air sérieux. Et ça fait un mal de chien. Par rapport à tout à l'heure... Je sais pas si je dois vous croire. Promets-moi de détruire l'échantillon du virus G. Non, c'est une preuve. Ça ira au FBI. Tu crois cette garce? Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle n'est pas du FBI. C'est une mercenaire. Elle va le vendre. Le virus G va aller au plus offrant. Ah, c'est des conneries. Ah. J'espère me tromper. Mais si le virus G tombe dans de mauvaises mains... Ok, hop, on est reparti. Oh non, je peux plus save. Non, c'est quoi ce jeu? Les gars, il me faut, faut que je récupère ma vie, là. Hein. Des balles, quelque chose. Oh, quoi? Trop bien, je prends. Incroyable. Ouais. Ah, si, c'est bon, on a un coffre. Très bien, je suis rassuré. On va fouiller là au cas où. C'est terrible, hein. Il m'a vraiment collé la petite, si je peux me permettre l'expression. Ah non, il n'y a pas de save. Mais mes couilles sur votre front. Eh mec, hop, bidon d'essence allumette. Voilà, ça, hop, c'est bon. On va garder deux soins. On a quoi d'autre? Bougez pas. Bougez pas, j'analyse. Là, on est en analyse de situation complète. On a plus de soins, on a plus rien. Les gars, il me reste deux soins. Waouh, moi qui pensais être super large, j'ai fait apparemment le malin. Ah, quelqu'un est passé par ici. Pas se souvenir qu'il y avait ça. Ok, on est parti, ascenseur central, évacuation. Justement, je pensais à toi. On est deux alors. Je commençais à m'inquiéter. On forme une bonne équipe. Et j'ai quelque chose à te demander. La voie est libre. Allez, dis-moi que tu l'as. Gros, je l'ai. Laisse-moi vérifier l'échantillon et on fiche le camp. Mais d'abord, j'ai croisé Annette. Elle dit que tu n'es pas du FBI. Oh, Léon. Tu m'as pas juste donné l'échantillon. J'ai compris que... Même si je voulais te faire confiance... Je pouvais pas. J'espérais ne pas avoir à en arriver là. Donc c'était ça.
J'étais qu'un pion pour toi. Je ne fais que mon travail. Et moi le mien, alors pose cette arme. Tu viens avec moi. Donne-moi l'échantillon. Je ne veux pas te blesser. Vas-y, tire. Je pense pas que t'en sois capable. Fais attention à toi, Léon. Non ! Bon, alerte spoiler, hein. Si vous avez vu l'épisode 4, Resident Evil 4, je parle évidemment, j'en ai fait le let's play, vous savez un petit peu ce qu'il en a dit, c'est parti. On a 10 minutes pour ce cassos. Attends, c'est pas par là la sortie, je vais où là? Ok, pistolet c'est fait, tout est rechargé, et j'ai tous mes soins. Oh, c'est beau, oh c'est très beau. Ça risque forcément de me tuer dans pas très longtemps. 10 minutes, allez. Dans 10 minutes, ça serait la fin de l'épisode si on s'en sort bien. C'est parti. On doit se casser, je crois. Hop. On atterrit quand? Attendez. Ouais, toujours pas savoir. C'est pas encore où ça mène. La porte sera là. Gauche ou à droite. Bon, on descend encore. Je sais pas à combien de hauteur on est sous terre. C'est assez terrible. Faut pas être claustrophobe. Allez, on s'ouvre. Voilà. Oh, troisième soin, vous êtes bien généreux, dis donc. Détonation. Qui c'est? Claire! Claire, je t'aime! Léo! Toi aussi, tu es là? Ouais. Mais tout est sur le point de s'écrouler. Écoute-moi. Il faut que tu partes. Vite! Oui! J'ai un moyen de sortir. On va y arriver. Où es-tu, là? Claire, t'es encore là? Léon? Hé, hey, Léon, je t'entends mal. N'attends pas. Fiche-toi quand ici. Merde. Ok. Bon. Évidemment, en faisant l'aventure de Claire, vous saurez ce qui s'est passé. Oh, un cut. Qu'est-ce qui se passe? Bagarre? Bagarre ou pas bagarre? On va save? Bah oui, pas qu'un peu mon peu, comme on dit. Hop, ça c'est fait. On va save à la place de celui-ci. Hein. Parce que là, les gars, commence à devenir dangereux toutes ces conneries. On sait jamais si j'ai utilisé trop le bal avant. Ça me ferait chier, je vais pas vous mentir. Et puis là, on trace nos combats. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant, là? Ouais, j'ai eu des petits achats, là. Plante, très bien. Et ben on a rien, ça fait plaisir. Encore une bonne journée. Ok. On va pas abuser, c'est une mission proposée. Bonjour. On a rien. Très bien, ça c'est plutôt cool. Allez, on continue de descendre. Ok. Yes, un zombie, hein. Yo. Hop. Oh, ça pue la merde, mais on prend.
C'est pour le plaisir. Ouais, bah je vais pas tout. Eh, ça c'est cadeau, mon pote. Ok, oh putain, mais non. Y'a tout le monde qui me fait chaud. Ok. Attends, j'utilise. Putain, mais ouais. Ok. Oh, une plante. On va la combiner très rapidement. Et ben voilà. Oh putain, je crois qu'il y avait un truc là-haut. J'ai envie d'aller voir. Non. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Fais chier mes deux grenades, putain. C'est des grenades porte-bonheur. Bon, bah j'ai plus de grenades. Ah là là, ça casse les couilles. C'était soit ça, soit je prenais un compte en gratuit. Je vous avoue prendre un compte. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, ah calme, putain. Excuse-moi, je suis en guerre. Pas le temps pour tes conneries, moi. Oh, catastrophe, catastrophe. Aïe, 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 aïe. Ok. Terrible. Oh non. Ça fait plaisir, tu grandis. On y va, hein. Ok. On a Mister X juste au-dessus. Ça fait plaisir, la famille. Hop. Allez, hop. Et j'ai des soins à gogo. Hein. En vrai, je suis large. Oh. Qu'est-ce qu'on a, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Une prise double. Je fais quoi avec ça, cousin? What the fuck? Attention. Attends. Bah, j'ai peut-être un truc en trop, là, non? J'ai peut-être un truc en trop. Ok, pourquoi pas? Ça sert à quoi, ça? Une grosse prise, sans déconner. Et les gars, c'est du triphasé au moins. Ah, je bosse pas pour rien, moi. Hein. Ok, y'a rien à faire en les retardant, très bien. Ok, y'a pas de save ici, on peut y aller. Qu'est-ce qui se passe? Je vais là. Ah, d'accord, bah oui. Elle est où, Claire? Wouh! Mais lâche le morceau, frérot! Ok, mon pote. Je rigole! Je te promets que c'était une blague à la base! C'est une blague entre potes! Ok. Oh, je le brûle pas. Hein. On n'est jamais assez brûlé. Ok. Comment ça devient un peu critique? Coupez! Aïe! Très très beau ça, ce que je les avais là. C'est chorégraphié, c'est dans le plaisir. Wesh, en plus, moi! Je suis obligé de le tuer en vrai, je peux pas le tuer. On fait quoi? On se la donne, mon pote? Manu! Non, je rigole, c'est... Ah, ah! Oh non, ça... Qu'est-ce qu'il faisait, un caca? J'ai plus de balles. J'ai plus de balles au bout d'un moment, mais vous êtes fous!
Impossible. Impossible. Je prends des patates gratos. Ok. Par contre, la musique est belle. Hein. Oh, qu'est-ce qu'on apprécie. Ok. Non, c'est pas possible. Faut que ça s'arrête. Ok. Attends mon poteau hein. J'en ai pour 2 minutes hein. Je m'écarte un peu frérot. Ça c'est un missile sol-sol hein. Ça c'est un autre sol-sol. Je te régale ou pas? Ah tu fais moi le malin. Ok. Y'a rien à récupérer sur son corps de lâche à lui là. Ah bah c'était très sympa dis donc. C'était chaud. Wouh. Brûlez. Ok, ils étaient déjà en train de canner je crois. Ok. Tu balles plus rien hein. C'est bon hein. Faut que je me tire d'ici. J'arrive pas à croire qu'il me manque. Léon ? Hé ! Claire ! Je t'aime ! On a réussi. Tu vois, je te l'avais dit. C'est la fin du scénario de Leon sur Resident Evil 2. Vous avez vu la gamine? Vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'elle fait là? Et surtout ce qu'on peut vivre ou ce qu'on va vivre à ses côtés. Pour cela, il faudra faire le scénario B, celui de Claire Redfield. Alors, je vais quand même résumer le jeu. On n'a fait qu'un scénario sur deux, le deuxième arrive très bientôt. On a utilisé 14 épisodes donc pour terminer ce Resident Evil 2. Incroyable, juste incroyable. Chaque épisode, vous l'avez mis en top tendance. Vous êtes phénoménaux, évidemment. Et quelle expérience, quel jeu, quel jeu. Comment croire qu'en 2019, on arrive à rendre les zombies encore effrayants quand tous les jeux, tous les films les parodiaient limite, les rendaient lents, inutiles. Et là, on sort un jeu où bah, les zombies te font stresser, te font flipper, où un Mister X est plus effrayant que jamais. Je suis fan de Resident Evil 2 de base, d'accord? Je suis fan de Resident Evil de base. Et ce remake est bien plus qu'un remake, il est incroyable. Quelle expérience j'ai vécue, j'ai adoré. Ces 14 épisodes à vos côtés avec Leon étaient juste dingues, vraiment. Et là, on va enchaîner avec le scénario de Claire. Donc le prochain épisode s'appellera pas épisode 1, mais épisode 1. .5. A savoir que dans quelques jours, on aura des DLC qui nous permettent de vivre 3 histoires de citoyens de Raccoon City qui n'ont pas survécu. Et ça serait donc des histoires totalement inédites. C'est dans 3 jours, DLC gratuit. Comptez sur moi pour en faire bien évidemment des vidéos en parallèle. Enfin de l'histoire avec Claire. Mais quel plaisir, franchement. Leon, 14 épisodes de bonheur, vraiment. Et là, avec Claire, ça va être juste dingue. Parce que bah, Claire, c'est ma petite préférée. Je garde le meilleur pour la fin. Je vais pas vous mentir. On se retrouve très bientôt parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, vraiment. Je compte sur vous pour être présent
pour le scénario B, le scénario donc de Claire, parce qu'il y aura des lieux jamais visités avec Leon, il y aura des personnes non rencontrées avec Leon, et des moments clés différents, ainsi que des cinématiques différentes. On se retrouve très bientôt pour notre épisode 1.5, et pour aussi les épisodes des Survivors, c'est comme ça que s'appellera le DLC. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette première partie, jeu juste incroyable, insane. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure sur Resident Evil 2. Jusqu'ici, clairement pas déçu. Ce n'est pas un au revoir, c'est juste un à bientôt. À très vite tout le monde. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cet épisode vous a plu et que cette fin avec Leon aussi vous a plu. Qu'est-ce qu'on a là ? Un héros est né, et c'est un rang B, 6h50. Ça va, en mode normal, plutôt raisonnable, plutôt raisonnable. Qu'est-ce qu'on a vu là, là ? Hein ? Je vous laisse écrire en commentaire vos suppositions. A très vite pour l'épisode 1.5.